Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon petit coup de cœur de éditions Stock. C'est Cognetti, La Félicité du Loup. Je suis assez fan parce que j'avais beaucoup aimé les Huit Montagnes, son dernier roman qu'il avait écrit il y a 2 ans. La Félicité du Loup est un livre d'une incroyable humanité parce qu'il passe évidemment de... Il adore les montagnes, hein, ça se passe toujours dans les montagnes des Alpes, etc. Un petit village perdu, un restaurant typique, des petites stations de ski. Évidemment, un petit restaurant qui s'appelle le Festin de Babette. Et Babette, qui est tenu par Babette, donc. Et qui va embaucher Fausto. Donc Fausto est un jeune garçon de 40 ans, quand même, qui a fui la ville et a changé de vie, en fait, a divorcé. Et donc a décidé de quitter la ville. Et donc il va se retrouver chez Babette, cuisinier. Et donc il va se lier d'amitié avec... Vraiment, il va y avoir une amitié extraordinaire entre Babette et Fausto. Et ensuite, Fausto va trouver l'amour avec Cynthia dans ce restaurant, puisque c'est la petite serveuse qui est beaucoup plus jeune que lui, qui a 25 ans. Et donc il va se nouer entre... En fait, c'est un livre entre une grande histoire d'amitié et une belle histoire d'amour également. Et on est aussi dans un livre où on tient beaucoup à la nature, la montagne, etc. Donc il y a des belles descriptions du Val d'Aoste et des Alpes. Je pense que dans ce livre, il sublime en fait aussi les gens qui vivent dans ces montagnes. Où il adore vraiment les gens, une humanité incroyable. C'est un livre, un roman, un pur plaisir de lecture. Voilà.